Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien les amis. Aujourd'hui c'est mon premier jour dans ma toute nouvelle école dans Royal High et j'espère vraiment que je ne serai pas comme la dernière fois la pire élève de l'école. Mais avant d'y aller, je vais me préparer rapidement avec vous les amis. Je vais acheter cette jupe matin et soir. Valentina chérie, elle est juste beaucoup trop belle. On achète le petit haut assorti, le corsage rose et blanc magnifique. On complète avec quelques petits accessoires ce sac en forme de cœur avec la chaîne en argent. Je vais le prendre, je suis sûre qu'il va aller super bien avec ma tenue. L'ourson, cet ourson, il est trop beau. Et en plus, il a l'air géant. C'est décidé, je l'achète et au moins, si je n'arrive pas à me faire de nouveaux amis à l'école, eh bien, j'aurai toujours mon ourson géant avec moi. Qu'est-ce que je pourrais bien ajouter? La harpe. La harpe pour les cours de musique. Ça va être juste parfait. C'est sûr que là, en cours de musique, avec cette magnifique harpe, je ne pourrai avoir que de bonnes notes. Bon, allez, il ne me reste plus qu'à porter tout ça et à espérer que ça fasse un super joli ensemble. Rien que la jupe, elle est magnifique. On va choisir des chaussures. Je n'ai pas acheté de nouvelles chaussures, mais j'ai déjà ces chaussures-là qui sont juste super belles et ça ira parfaitement avec ma tenue. Ensuite, le petit haut corsage, on peut le porter de différentes manières, mais cette apparence-là, j'adore, on va garder ça. L'ourson géant, il est énorme et je peux choisir n'importe quelle couleur. Rose, bien sûr, pour aller avec ma tenue et aller avec le thème de la Saint-Valentin. Il est magnifique, regardez ça, et il est presque aussi grand que moi. On va mettre le petit sac cœur que j'adore, sublime, et bien sûr, pour finir, la harpe. Oui, ça fait peut-être un petit peu trop. On va la porter comme ça. En plus, je peux y jouer partout. Regardez ça, c'est juste magnifique. On va ajouter un petit accessoire de tête. Ça, par exemple, ça pourrait être hyper joli. Oui, c'est super beau. Et ça va hyper bien avec ma tenue. Par contre, j'ai l'impression que le sac et la harpe, ça fait un petit peu too much. Un petit peu beaucoup. Je vais peut-être retirer le sac et ne garder que la harpe. Et voici le résultat. Les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma tenue de rentrée scolaire dans Royal High. Oui, c'est un petit peu too much. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans Royal High, on n'est pas n'importe où. Les amis, si cette tenue vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like à cette vidéo. Un immense merci à tous pour votre soutien. C'est une journée hyper importante, j'espère vraiment que ça va bien se passer. Oh my god, ces cupcakes, ils sont juste trop beaux. Je crois que c'est les plus beaux cupcakes que j'ai jamais vus. J'aimerais trop qu'elle m'en donne un, ils sont magnifiques. Mais elle ne parle pas la même langue que moi. Les amis, attendez, je vais lui dire miam. Miam, tout le monde comprend miam. Elle va peut-être comprendre que j'aimerais bien goûter à un de ces cupcakes. Les amis, je pense que le message n'est pas passé. Bon, tant pis, c'est bien ce qui me semblait, on ne parle pas du tout la même langue. Bon, c'est pas grave, les amis, regardez ça. Il est hyper stylé, j'adore sa tenue. Et il n'a pas de tête, c'est exactement ça qu'il me manque pour être complètement transparente dans tous les jeux de Roblox. C'est trop dommage, mais c'est pas grave. Oh my god, ces cupcakes, pourquoi est-ce que je pourrais pas en avoir un? J'arriverai jamais à faire des cupcakes comme ça. Comment est-ce qu'elle a fait? Ça doit être une pro, elle, c'est sûr et certain. Il s'est installé, le garçon super stylé. Peut-être qu'on pourrait devenir amis. Je ne connais personne dans cette école, je suis sûre qu'on pourrait bien s'entendre. Je crois qu'il ne veut pas trop être mon ami. Bon, c'est pas grave, heureusement que j'ai mon ourson géant. Je ne m'étais pas trompée, heureusement que je l'ai pris. Et grâce à lui, je me sens beaucoup moins seule. Bon, allez, on va se mettre ici et attendre que l'école commence. Et ça commence par les cours de cuisine. C'est les pires cours pour moi, je suis hyper nulle en cuisine dans Royal High. Comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Bon, déjà, je dois me trouver une petite kitchenette, couper le beurre et commencer ma délicieuse préparation. Oui, enfin, délicieuse, on verra bien. Allez, déjà, je dois me trouver. Oh non, celle-ci, elle est prise. Où est-ce que je pourrais bien me mettre? Je vais me mettre ici. Allez, allez, Maïva, pas de temps à perdre. Il faut absolument que tu t'en sortes. Hors de question cette fois-ci d'être la dernière comme la dernière fois. Ok, donc là, je dois commencer par mettre le beurre. On va en mettre un petit peu plus. Le beurre dans les gâteaux, ça donne toujours beaucoup de goût. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Je dois secouer 2 tasses de sucre avec mon beurre et mélanger tout ça. Ok, jusque-là, rien de plus simple. Je viens de recevoir un cupcake gratuit. Ok, c'est hyper gentil. Attendez, les amis, on va regarder à quoi il ressemble. D'accord, elle a déjà réussi à faire tout ça et moi j'ai juste mélangé le beurre et le sucre. Je suis mal partie les amis. Par contre c'est bien gentil mais si tout le monde m'offre des cupcakes, je ne vais jamais réussir à faire les miens. Allez, vite vite vite, un deuxième œuf et c'est bon, la farine, ça devrait être bon. On va mélanger tout ça avec les 3 tasses de farine et vite vite vite, Maïva, plus une minute à perdre, plus une seconde à perdre plutôt. Encore un cupcake, merci, ils sont hyper sympas, mais là Comment ça dé? J'ai même pas eu le temps de finir ne serait-ce que la préparation. J'ai déjà un dé, mais c'est une hyper mauvaise note ça le dé. Oh non, j'arrive pas à y croire.
J'ai rien fait encore. Les amis, ils avaient tous des cupcakes déjà prêts alors que moi j'en étais encore au beurre et au sucre. Bon, c'est pas grave, je vais quand même les faire cuire au four. Mais le cours d'art devrait commencer dans pas longtemps. Comment est-ce que je vais faire? Mes cupcakes ne sont toujours pas prêts. Allez, vite, 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 je les sors du four et je dois les décorer. Je dois les décorer, non mais c'est pas possible. Je ne peux pas, la classe d'art commence. Bon, moi qui avais prévu d'être une meilleure élève que la dernière fois, ça part plutôt mal. Bon, allez, on reprend espoir avec les cours d'art. En général, j'ai des bonnes notes en art, sauf là. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste mettre les mêmes couleurs que celles qui sont au tableau. D'accord, c'est hyper simple. Mais je fais comment pour mettre la couleur? Pourquoi est-ce que ça me met toujours le 2? Mais c'est pas le 2 que je veux, c'est le 3. C'est bon les amis, j'ai enfin compris. Je dois double-cliquer pour sélectionner la couleur. Ok, le temps que je comprenne, regardez le nombre d'élèves qui ont déjà fini leur art, hein, entre guillemets. Les amis, c'est encore mal parti pour le cours d'art. Je vais encore finir dernière, c'est sûr et certain. De toute façon, je suis la dernière de la classe. Regardez ça les amis, je suis encore en train de galérer avec ma pièce d'art. Et tout le monde a déjà fini. Et bien sûr, j'ai la note de C, la fabuleuse note de C. Bon, je ne suis pas dernière, il y en a deux qui ont eu F parce qu'elles n'ont pas participé. Au moins, moi, j'ai fait l'effort de participer. Maintenant, je sais exactement comment faire. La prochaine fois, ça ira mieux, les amis. Regardez comme elle est studieuse. Elle fait ses devoirs, elle révise entre deux cours. Ça, c'est pas du tout moi. Bon, allez, je vais quand même finir la cuisson de mes cupcakes. On va les enlever du four. Voilà, ça c'est fait. Et on a la classe de PE, de sport, je suppose, qui devrait commencer. Attendez, par où pourquoi est-ce que... Attendez, c'est sport ou c'est piscine? Je sais pas. Je sais pas, c'est par où. Ok, tout le monde monte à l'échelle. Sois le plus rapide et le plus agile en terminant l'obstacle. Sonne la cloche à la fin. Je vois pas du tout où est-ce qu'elle est la cloche, les amis. Et je n'ai aucune intention d'arriver jusqu'à la cloche. Non mais c'est juste l'enfer ce cours de sport. Je me rappelle que la dernière fois j'avais trouvé un endroit paradisiaque pas loin du cours de sport. Il est là, il est toujours là. Je vais m'installer ici et jouer à ma harpe. Passer un moment agréable pendant que tout le monde galère en cours de sport. On va laisser passer le temps et puis ensuite j'irai rejoindre tout le monde. Et si j'allais voir un petit peu plus loin ce qu'il y a. Bon, par contre, avec ces barres qui tournent, c'est juste l'enfer. On a un autre endroit hyper sympa ici. Et plus loin, on a carrément ce coquillage sur lequel on peut s'installer, ou plutôt dans lequel on peut s'installer confortablement. C'est juste beaucoup trop cool. Le rose, le bleu turquoise, mes couleurs préférées. Et bien sûr, je finis avec un F complètement logique. Par contre, les amis, je vois que quasiment tout le monde a eu un F. Alors que tout le monde a galéré à faire le sport, moi, je suis allée tout simplement me reposer, jouer à la harpe et j'ai eu la même note que tout le monde. Finalement, j'ai hyper bien fait. Alors, ils en sont où mes cupcakes? Regardez les amis, la tête de mes cupcakes par rapport à ceux des autres. Les quelques cupcakes qu'on m'a offert. Franchement, je ne suis vraiment pas douée en cupcakes. Bon, on continue le cours de chimie. Et c'était l'une de mes matières préférées. Il n'y a pas de raison, je devrais avoir une super bonne note. Par contre, bizarre. Très 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 bizarre, la salle de chimie. Pourquoi est-ce que j'ai été éjectée? J'ai été virée du cours de chimie, mais j'ai rien fait, absolument rien fait. Je peux y rentrer ou pas? C'est bon les amis, je ne sais pas par quel miracle j'ai réussi à re-rentrer en cours de chimie et je vais pouvoir réaliser toutes ces préparations, c'est hyper simple pour moi, hyper easy. Voilà, c'est sûr que là j'aurai la meilleure note. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je me retrouve comme ça? Oh non, ça bug encore. Non mais j'ai pas de chance. Pour une fois qu'il y a un cours dans lequel je suis douée, eh bien ça bug. Pourquoi est-ce que ça ne m'arrive qu'à moi? Tout le monde est confortablement installé et je ne peux même plus faire les préparations. Je n'ai même plus l'écran pour faire les préparations, les amis. Je vais encore me retrouver avec une note horrible, la dernière de la classe, alors que là, j'aurais pu avoir une super note. Non mais là, avouez que ce n'est vraiment pas de ma faute. Franchement, j'aurais pu assurer à ce cours et là, je me retrouve bonne dernière avec un B+. J'ai juste réussi un round alors que j'aurais pu tout faire juste. Ah non, franchement, là, je suis vraiment, vraiment dégoûtée. Mais il va vite falloir que je me reprenne et le déjeuner va m'y aider, c'est sûr et certain. Une fois que j'aurai le ventre plein, je vais beaucoup mieux réussir. Donc de 12h à 13h, on a des snacks et des boissons. Ça, c'est juste génial. Ok, alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger? C'est par où déjà, les repas? Ah, j'ai vu passer le menu, je vais vite revenir en arrière. Ok, mais ça a l'air délicieux tout ça. Qu'est-ce que je vais choisir? Du riz et des nouilles. J'adore tout ce que j'aime. On va choisir une petite boisson, un jus de pomme. J'adore. J'adore le jus de pomme. Voilà, c'est bon. 8 diamants, c'est pas donné. Hein. Elle n'est vraiment pas donnée, la cantine de cette école royale. Par contre, j'espère vraiment que ça va être à la hauteur et que le repas va être délicieux. Donc, je vois que tout le monde récupère son plateau repas ici. On va vite rentrer le ticket. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que cet appareil ne prend pas mon ticket?
Oh my god, j'ai payé 8 diamants pour avoir un bon repas qui va me permettre de bien travailler à l'école cet après-midi et je ne peux même pas l'avoir. Comment ça se fait? Je vais changer de machine. Peut-être que celle-là, elle ne marche tout simplement pas. On va essayer ici. Ça ne marche pas mieux. Ok, bon, le temps est en train de s'écouler. Bientôt, je n'aurai même plus le temps de manger. Non, mais c'est juste l'horreur. Je ne comprends pas. Comment ça? Change-toi et mets ton maillot. Non, je n'ai même pas encore mangé. Non, ça, c'est pas possible. La machine rose ne marche pas non plus. Ok, je vais retirer ma harpe. C'est peut-être elle qui gêne. Et on va réessayer. J'espère que je vais pouvoir avoir mon repas. Ça ne marche pas non plus. Non, mais j'arrive pas à y croire. C'est pas possible. Pourquoi est-ce que le majordome 3000 ne me donne pas mon plateau repas? J'ai juste payé 8 diamants pour rien, pour absolument rien. Et je vais retourner à l'école cet après-midi, le ventre complètement vide. Et c'est l'heure du cours de natation. Non, mais c'est hors de question. Je n'ai aucune énergie. Je n'ai même pas pu déjeuner ce midi. Saute par-dessus l'obstacle en rotation. Oui, bien sûr. Je ne vais sauter nulle part. Moi, je vais aller au fond de la piscine, me mettre dans le nouvel endroit que j'ai découvert tout à l'heure au cours de sport et attendre patiemment que ça passe. Qu'est-ce que je suis bien ici en train de regarder tout le monde galérer au cours de natation. Non mais je suis beaucoup trop bien. Je rêve ou j'ai gagné. A plus! C'est mon premier A plus! C'est le premier A plus de toute mon histoire. J'ai eu un A plus et j'ai gagné, mais je n'ai rien fait. Forcément, je suis tombée 0 fois puisque je n'ai rien fait, je suis juste allée sur mon transat. Non mais les amis, c'est le meilleur plan de tous les temps. J'ai eu A+ en ne faisant absolument rien. Bon bah j'ai tout gagné. Hein. En tout cas, j'ai été une meilleure élève que la dernière fois. La dernière fois, je ne crois pas avoir eu une aussi bonne note. Donc on va continuer et là, on a carrément le cours d'ordinateur, le cours d'informatique en fait qui commence. Vite, je dois m'installer ça aussi normalement. Ça ne devrait pas me poser de problème. Je vais avoir une bonne note. Attendez, pourquoi est-ce que j'ai encore été virée du cours d'informatique? Mais je n'ai absolument rien fait. Et je ne peux même pas rentrer en salle d'informatique. Non mais c'est pas juste. S'il vous plaît. Laissez-moi rentrer. Je suis sûre que j'aurai une bonne note. Là, l'écran est carrément noir. Ok, c'est une malédiction. Je ne peux pas être une bonne élève comme tout le monde dans Royal High. Il faut toujours que je sois la pire élève. Forcément, j'ai eu un F. Je n'ai pas participé. Mais je voulais participer, moi. Tout le monde a eu un A ou un A+. Je suis sûre que j'aurai eu un A+. Bon, c'est pas grave. Là, je dois me remettre de mes émotions. L'école est terminée. Et la bonne nouvelle, c'est que le bal commence à 20h. Je suis sûre que ça va me remonter le moral. Donc c'est parti, je vais attendre patiemment le bal. On y est, il est 20h, c'est l'heure du bal. Et j'espère vraiment que je vais passer une super soirée. En tout cas, une meilleure soirée que ma journée à l'école qui a été juste catastrophique. Allez, on va se laver les mains rapidement après cette longue journée avec ce savon qui sent super bon, la menthe. Donc voilà, ça c'est fait. Un petit peu de sèche-cheveux rapidement pour remettre en forme ma coupe et être jolie pour le bal de ce soir. Voilà, ça c'est fait également. Et c'est parti, direction la salle de réception. Tout le monde est arrivé et que les festivités commencent. Waouh, elles ont toutes l'air super belles, mais beaucoup trop belles. Moi, j'ai pas prévu une tenue pour le bal. J'avais prévu juste une petite tenue comme ça pour l'école. Bon, c'est pas grave, je vais rester comme ça avec mon adorable petit teddy bear, mon adorable petit ourson. Les amis, regardez comme elle est trop belle. J'adore sa tenue scintillante. C'est trop beau. Je crois qu'elle n'est plus disponible, cette tenue, mais elle est juste magnifique. D'ailleurs, il y a la petite avec les fleurs dans les cheveux qui lui dit qu'elle adore sa tenue et l'autre lui demande à moi et elle lui répond j'aime vos tenues à vous toutes mais elle est adorable et l'autre lui dit merci beaucoup et moi j'adore tes cheveux. C'est clair que ses cheveux sont juste beaucoup trop cute avec les petites fleurs, elle est adorable. En tout cas les amis, comme vous pouvez le voir, il y a une super ambiance ici et je pense qu'on va tous super bien nous amuser. Les amis, elle allait dire à quelqu'un d'autre qu'elle adore sa robe. Elle va voir tout le monde et elle va complimenter toutes les personnes qui sont là. Non mais elle est juste adorable. Bon, par contre, elle n'est pas encore venue me faire de compliments à moi. Je ne sais pas trop comment le prendre. Bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'elle soit gentille avec un maximum de personnes. Moi, j'adore cette gentillesse et cette bienveillance. Les amis, elle lui dit qu'elle va voter pour elle. Oh my god, j'avais oublié qu'il y avait cette histoire de vote. Il a beaucoup de style lui aussi. Enfin, un style un petit peu plus Halloween, mais pourquoi pas, hein, finalement. Il a le droit. Elle est là, les amis, regardez comme elle est trop cute. Avec ses fleurs dans les cheveux. Non mais j'adore sa coupe, elle est juste trop belle. Elle me dit qu'elle adore mon teddy bear. Elle me fait un compliment à moi aussi. Elle me dit qu'il est adorable. Merci beaucoup, je lui dis qu'elle est beaucoup trop cute. Elle me remercie. Regardez ça, les amis, franchement, elle est trop mignonne. Et là, elle me dit qu'elle aime beaucoup faire des compliments aux gens pour qu'ils se sentent heureux. Non mais c'est tellement adorable. Imaginez si tout le monde était comme elle. Le monde serait juste merveilleux. En tout cas, je suis très contente d'être tombée sur cette adorable petite princesse. Waouh, non mais elles dansent super bien. Elles sont trop mignonnes. Moi aussi, je veux danser.
Le vote va bientôt commencer, ok. Bon, moi qui voulais profiter et danser, je crois que ça va être l'heure du vote. Je reviendrai danser juste après, c'est pas grave. Donc, c'est parti pour l'élection de la royauté suprême du bal. Ok, je dois voter pour deux personnes. Est-ce que je peux voter pour moi déjà? Est-ce que je peux m'auto-voter? Bien sûr que non, je ne peux pas voter pour moi. Donc, on va trouver quelqu'un d'autre, les amis. Elle, c'est sûr, je la trouve tellement belle. En plus, elle souhaite bonne chance à tout le monde, c'est juste adorable. Et elle aussi, elle a été tellement gentille avec tout le monde qu'elle mérite également carrément cette victoire. Donc voilà, c'est sûr, ce sont mes deux préférés, même si tous les candidats et les candidates sont hyper beaux et hyper belles. Donc voilà, il faut en choisir deux et j'ai fait mon choix. Alors, quel sera le résultat? J'ai beaucoup trop hâte. Merci d'avoir voté. Les votes seront bientôt comptés. Oui, j'espère que ça ne va pas trop tarder parce que je suis hyper impatiente de savoir qui a gagné, qui est la reine ou le roi du bal. En attendant, je vais danser un petit peu. Non, mais elle est beaucoup trop belle, elle, avec sa tenue. Les résultats sont là. Les résultats sont là. Qui a gagné? Qui a gagné? La petite, elle a gagné. Je suis trop contente. Bon, l'autre, je ne l'avais pas vue, les amis. Mais en tout cas, elle, elle a gagné et je suis hyper contente pour elle. Donc voilà, les amis, pour cette petite vidéo dans Royal High. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas encore été une étudiante brillante. Dites-moi si vous voulez que je réessaie encore une fois. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye les amis.